Ça y est. Alors, Lily, raconte. Ce petit parc est incroyable, Rocky. T'as vu les temps au fond? Oh oui, j'ai vu, mais bon, alors Ah, il y avait une belle lumière qui perçait à travers les arbres. J'ai fait des super photos. Oh, mais non, enfin, Lily, pas ça. Raconte-moi le trajet pour arriver au parc. T'as pris le tram? Nickel, ouais, j'ai pris le tram, c'était rapide. Allez, Lily, tu sais très bien où je veux en venir. Est-ce qu'elle était là? Qui? Oh, Lily! Ok, j'arrête. Oui, elle était là, collée sur le distributeur de tickets de tram, comme tu m'avais dit. Trop mignonne. Tu veux la voir? J'ai pris une photo. Oh oui, mais grave, je veux la voir. C'est Grenouille, le crush de Rocky. Un sticker collé sur un distributeur de tickets. Et il est très accro. C'est quoi cette flèche? Oh, c'est celle qui transperce mon cœur pour Grenouille. C'est Cupidon qui l'envoie. Cupidon, le petit ange de l'amour. On est en plein délire, là. Tu crois que tu vas être capable de travailler dans cet état, Rocky? Oh, mais évidemment, je gère, enfin, je suis un pro. C'est l'heure de... la choré de Rocky et Lily! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, je fais notre choré. Mais non, Rocky, c'est pas encore le moment de la choré. La choré, c'est en fin d'épisode. Non, là, maintenant, c'est l'heure du... Colis mystère! Oh, génial! Ça, on dirait des palmes d'un homme grenouille. Quoi? Un homme grenouille? Oh, mais tu veux dire que Grenouille a déjà un autre crush? Oh, mais pourquoi? Pourquoi? Mais non, Rocky, allez, reprends-toi. Un homme grenouille, c'est un autre mot pour dire plongeur sous-marin, quoi. C'est peut-être du matériel de plongée. Enfin, ça, je sais pas, mais ça, c'est des palmes. Oh là là, j'ai eu super peur, moi. Faut pas me faire des coups comme ça, hein, Lily. Ou alors, c'est peut-être du matériel de ski. Tu vois, avec des très, très grandes moufles. Peut-être. Ou une combinaison d'astronautes avec des grosses bottes. Alors, à votre avis, qu'avons-nous reçu? Un équipement d'astronaute? Un équipement de skieur? Ou un équipement d'homme grenouille? Irrésistible. Oh, irrésistible, oui, t'es trop chou. En tout cas, on va vivre une top aventure. Et ça va faire craquer Grenouille, je le sens. Allez, grenouille. Oh non, pardon, grouille. J'ai trop envie de savoir ce qu'on a reçu. Pas vous, les amigos. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir notre grenouille du jour. Oh non. Amigo du jour, tu veux dire? Oui, pardon, j'ai encore ripé. C'est une tenue d'homme grenouille. Et tu crois que c'est un signe? Un signe de quoi? Bah, un signe d'amour. Moi, je pense que c'est plutôt un signe de grande aventure. La plongée, Rocky, c'est un sport extraordinaire qui se fait avec des bouteilles. Dedans, il y a de l'air qui permet de respirer sous l'eau environ 30 minutes et d'aller très profond. Combien? Pour les débutants, c'est environ 6 mètres. Mais les plongeurs plus expérimentés peuvent descendre bien plus bas. Waouh! Mais on peut aussi choisir de plonger avec un tuba et nager juste la tête sous l'eau pour observer les poissons pendant des heures. Et tu sais comment ça s'appelle? Pardon? On comprend rien, Rocky! Du snorkeling! Exactement! La plongée avec un tuba, c'est du snorkeling! Trop bien! Tu devrais aller dans une école de plongée! On pourrait y aller ensemble! Laisse-moi essayer! Et ça existe vraiment des écoles de plongée? Évidemment, on peut faire de la plongée pendant les vacances, prendre des cours ou faire un stage. À la playa! Et en plus après, on peut prendre une super glace 3 boules chantilly. Tu sais qu'il y a même des examens? Ah ouais, sérieuse? On apprend à connaître l'environnement marin, les techniques de plongée ou comment communiquer sous l'eau. Parler sous l'eau, c'est pas possible. Parler non, mais faire des signes, oui. C'est comme un code secret. On fait une petite démo? Oh ouais, grave. Allez, part en plongée. Regardez bien les signes et essayez de les comprendre avec nous. Oh, c'est parti!
là, c'était trop génial. T'as vu comme c'était beau. Oh ouais, il y avait des poissons, mais ils étaient même pas carrés comme ceux dans les burgers. Et les signes que je faisais, tu les as reconnus? Il y avait... Moi. Toi. Regarde, regarde, on se regroupe. Bien, Rocky. Oh, hey, attends, moi aussi, j'en connais des signes. Ce sont les miens, je les ai inventés. Ah, regarde. Vas-y. Ah, facile, poisson. Bravo. Et alors, celui-ci? Poisson. Poisson rigolo, poisson qui se marre, poisson clown. Oui, ah, c'est ça. Bravo, Lily. Alors, un dernier. Toi, cœur, Rocky, love, homme... Amour, homme, oh Rocky, homme grenouille. Oui, oh, c'est ça. Et le cœur avec les doigts, il était pour grenouille. Oh, trop mignon ce crush, ça me fait trop craquer. Oh, moi aussi. Et puis en plus, j'adore la plongée. Franchement, vivement les vacances. Et j'irai en faire à la mer. Et tu crois que je pourrais emmener grenouille? Mais Rocky, ce serait bien que tu la rencontres avant et que tu lui parles et que t'aies son numéro. En tout cas, si t'adores la plongée, pas besoin d'attendre les vacances. Beaucoup de piscines publiques proposent des cours. Il faut avoir minimum 8 ans pour commencer. Ouais, mais avant ça, on peut déjà s'amuser avec un... Un tuba. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oh, waouh, c'est trop beau. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je regarde les endroits dingues où on peut plonger. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. C'est un truc fou. On peut plonger sous la glace comme en Russie. Ou alors on peut aussi plonger parmi les méduses. Inoffensives, heureusement. Ah, ou alors, regarde, dans un musée sous-marin comme au Mexique. C'est incroyable. Alors, ça t'a plu notre petite plongée? Oh ouais, tellement. Et vous, vous avez aimé? Avec tous les signes bizarres. De la plongée, vous en avez déjà fait? Dans la mer, en piscine? Ou alors dans votre baignoire? Écrivez-nous. Envoyez-nous des messages et des dessins comme Olivia, qui est notre amiga du jour et qui nous l'a envoyé par la poste. Bravo, Olivia. Merci à toi. Ça tombe bien, Rocky. C'est l'heure de... La Corée de Rocky et Lily. Toi, moi, l'heure, c'est l'heure, de prendre le bain, de manger, non, de la mousse au chocolat. Oui, c'est l'heure de la mousse au chocolat. Oui, 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 c'est ça. Sous l'eau. Génial. La mousse au chocolat sous l'eau. Ah oui, bien sûr, enfin. Tu croyais quand même pas que j'allais partir plonger sans mousse au chocolat. Ah ouais, directement dans ta bonbonne.